Comme on parle de Francorchamps, autant signaler tout de suite que c'est au Grand Prix le 2 juillet que vous pourrez voir toutes ces techniques en pratique. Mais en dehors du Grand Prix est apparu sur nos circuits tout récemment des courses de Formule 2 uniquement avec des équipages britanniques. Why all the English pilots are coming here for racing? Well, mainly to show the Europeans that there is a class in Britain that is fairly cheap and that is competitive and that everyone wants to do. And so why shouldn't the Europeans do it? I mean, do you know why there is only Formula 2 racing in Britain and not in Europe? Well, I think that's a good question. I think it is gradually coming to Europe. And they tell me they're trying to get Formula 2 European Championships, possibly next year in 1990. But as I said earlier on, we only started 3 years ago with Formula 2s, with a British Championship. But now there is more and more, you know, competitors. Si la Formule 2 est une catégorie nouvelle dans le monde du sidecar, elle a pourtant déjà un règlement très précis. Tous les moteurs ont la même cylindrée, 350 cm3, des Yamaha en l'occurrence, ce qui a le mérite de placer tout le monde au même niveau, et à la différence de la Formule 1, les pilotes peuvent acheter un châssis déjà construit. En Belgique, le sidecar a disparu depuis plusieurs années. Seul le tandem Cornet et Martini roule encore en course de côte, et cette nouvelle formule, la Formule 2, relativement économique, est peut-être la solution pour relancer le sidecar de vitesse chez nous, et qui sait, de susciter des vocations parmi les pilotes.